l'opération Merci un don, en fait, c'est venu donc pendant la crise du Covid, parce qu'il s'est retrouvé qu'on avait des machines dans l'atelier qui tournaient pas, et on s'est dit autant trouver une solution pour faire profiter une fondation comme la fondation des hôpitaux de Paris, avec lequel on est partenaire. Donc le principe, il est simple. Vous avez trois types de t-shirts, enfants, femmes et hommes. Et chaque fois que vous achetez un t-shirt, on reverse 10 euros pour un produit ou 20 euros, suivant le produit que vous choisissez, à la fondation des hôpitaux de Paris et d'hôpitaux de France. Alors on les fait directement ici, donc c'est des produits c'est des produits bio qu'on commande chez un de nos fournisseurs. Et après derrière, on les sérigraphie. Donc on fait du transfert sérigraphique avec la machine qui est derrière moi. Et on applique ça après sur les t-shirts pour les vendre sur un e-commerce. On travaille vraiment, on peut faire une pièce comme on peut en faire 100 ou 200, enfin je veux dire, il n'y a pas de restriction sur ce type de produit. Bah, la fondation, de toute façon, toutes les aides sont les bienvenues en ce moment, vu la crise actuelle. Donc ils ont été contents qu'on participe à l'effort, on va dire, pour soutenir les hôpitaux de France. Alors pour l'instant, on n'a qu'un modèle en termes de couleurs, c'est du blanc. On est en train de voir pour créer des déclinaisons sur des couleurs comme du gris, du vert-gris, du bleu ou du vert. Mais par contre, pour les tailles, vous avez le choix, ouais. Y a pas de problème. On a des modèles enfants, modèles femmes et modèles hommes. Et bien, c'est simple, vous allez sur www.unmerciundon.com et vous pouvez le commander en direct sur le site. Oui, tout à fait, on ne fait pas que de la sérigraphie ou du transfert sérigraphique, on fait aussi de la broderie, de l'impression numérique. On est sur, tous les fronts au niveau du textile, on va dire. Et on est aussi avec toutes les professionnels, les particuliers, les associations.